On va pas perdre de temps. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire le BFG. C'est utile, mais je m'en sers jamais. En général, quand on a vraiment besoin, il te donne un bulac. Bon, c'est pas moi qui me faisais abonner. C'est cool. Ah, j'ai plus de balles. Oh, l'échec. Cuisant échec. Ah, mais non. Voilà. Coupé tête. Ah, ça c'est pareil. Il y a un gros risque que j'en ai besoin. Ah, mais non. Elle a un recul d'enculé, cette arme. Là. Alors. Donc je récupère de la vie de l'armure. Ah, faut que j'évite d'aller dans les packs de mort. Vie armure, vie armure. Oh, te calme. Oh, aïe, 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 aïe. Je suis coincé. Ah, là, par là. Bonjour, madame. Voilà. On déblaye, on déblaye, on déblaye, déblaye. Oula, doucement. Oula. J'ai oublié qu'il a pas énormément de portée, ce truc. Voilà. J'ai cru voir un pinka visible, mais non. Non. Oh putain, j'ai eu peur. Mais non. Ah, c'est échec. Ok, bon. Bah écoute. Ah, oh, sérieux. Mais... Voilà, au moins ça c'est fait. La vache, la vache, mais ah putain, à chaque fois je me bloque dans le décor, hein, c'est chaud. Allez, où j'ai déjà claqué la frappe sanglante comme un teubé. Voilà.
Allez! Oh merde! Mais non, on se calme! Bien! On temporise un petit peu quand même. Ouais, bon, en fait, la temporisation, ça va être mes couilles. Bon, réfléchissons. Ok, ben réfléchis pas, ça te va pas. Acte B. Non. Mauvaise manip. On reste mobile. Voilà. Sérieux. Il m'a fait bouger pendant que je déployais le grappin. Plus à rien de les taper avec la frappe sanglante. Mais non. Allez. Chier. Putain, je m'en doutais. Le putain de décor. J'ai esquivé trop tôt, je me suis pris le mur. Bon, faut que je garde la frappe sanglante pour eux là, sinon c'est compliqué après. Hein. Mais putain de bé. Putain. Oh mais oh putain. Ah mais oui, j'ai esquivé vers lui. Oh. Dans l'espace de combat, le creuset peut tuer la plupart des ennemis en un seul coup.
T'as des monstres super massifs comme le maraudeur résiste à vos super armes. Oui. Bon, allez, choisis les vins. Ah, le teubé! Non valide, ok. Alors, toi par contre, voilà, tu décèdes. Oula, 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 mais non. Ah merde, 2B. Putain, c'est pas vrai! Ah, ça me saoule! Je me sers pas assez de la grenade frag, hein. C'est chaud! Voilà, le kill là il est gratuit! Ce qu'on fera. Ah! Chier! Bon, je suis déjà ultra weak. Mais non! Oh, fais chier. Ah, c'est vrai que j'aime bien le principe de tu lui mets une patate, ça fait tomber toute son armure, sauf qu'il te repousse en même temps. Ça complique un peu la chose, hein, si tu veux. J'ai envie de te le dire.
Ok, ça te ramène ici. Trop long à charger, trop long. Je vise du pif, hein, clairement. Ok, c'est le moment. Ok, il y a lui qui est encore en vie. Bien. Ah, il y en a un deuxième. D'accord. Non, mais non, mais non. Arrête de te coincer dans les ennemis, con. Une mune. Ça craint. Putain. Cet épisode va être long. Bon, faut que j'arrête de faire Ult B aussi, à chaque fois je me gogolise. Toi déjà. Ah là. Là je m'aime. Non, c'est pas le moment de faire le teubé. Mais non. Ah, fait chier. J'avais géré le début. J'ai eu les deux mancus d'un coup. Je me fais tuer par un vieux tir de placo démon de merde alors que je les stun l'instant d'après. La déguitude. J'ai encore fait le con. Alors, tu l'accroches ton putain de grappin. Ah bah allez.
Bon, je vais claquer. Allez, voilà. Donne-moi un peu de vie, s'il te plaît. Pour que l'autre, il me l'enlève juste après. Je spam, rien à foutre. Putain. Ouais, j'étais complètement en roue libre là. Je vous avouer. J'étais en mode pour le spam. Rien à foutre. Ah, clairement le plasma par contre c'est complètement craqué. Faut penser à s'en servir plus souvent quoi. Oh toi. Allez. T'as récupéré d'énergie tout à l'heure, moi. Le doute m'a bite. J'ai dû l'oublier. En recommençant pour une énième fois un truc. Ah bah non, il est là. Ok, c'est parti. Oh, faut que l'autre est bientôt mort, je tenterai bien plus comme ça. En tournant autour, ça devrait aller. Mes couilles. Bon, il doit rester un mancu quelque part. On doit être sur la fin de l'affrontement là, techniquement. Quatre visées assistées de merde. Il est là. C'est bientôt fini là ou pas? M'a l'air que non. Alors, c'est parti. Voilà, gel, fais pas chier. Là. Putain. Bon, viens là toi, t'es où? Viens là toi. Est-ce qu'il y a encore un volontaire, toi là-bas? Ok, bon, c'est good, ça c'est fait. On y va. En réveillant l'icône du péché au sein du Tac, le sceau a été brisé. Les démons peuvent désormais arpenter le vide en toute liberté. Ah ouais, c'est chaud ça. Vous avez condamné tout son peuple et cet endroit sacré à la damnation éternelle.
tu l'as fait pour mais sa gueule. C'est son arrogance qui a fait entrer l'icône endormie ici. Finalement, son orgueil a détruit le paradis. Ah. Mais non! Ok. C'est quoi ça? Ok. Ça va être complexe, hein. À moins que j'ai raté un truc. Non, c'est pas ça. J'ai dû louper un truc. Il doit y avoir un autre point d'accroche quelque part. Et j'ai dû le louper. À moins que ce truc-là, c'est un secret que j'ai raté le vrai chemin en fait. C'est possible aussi. Ah! Ok. Les phases de plateforme, c'est de la merde. J'ai jamais été fan de ces trucs-là. Ah, mais non! Ok, j'ai mangé le plafond, je vais pas y arriver. Faut pas que je vise trop haut, sinon je prends le plafond. Voilà. En fait, ça m'a tout l'air d'être là, hein. Je vois rien d'autre, c'est chaud. Je vois l'entrée se trouve sur un des côtés. Non. Ok, ça reste ouvert un petit moment quand même. Mais j'aurai pas le temps de tout traverser, hein, clairement. Voilà. Je vais pas me mettre trop haut. Ça passe, oui. Mais... Oh putain. Oui, bah santé basse au bout d'un moment, ouais, je veux bien. J'ai dû rater quelque chose, c'est pas possible. J'ai juste trouvé un glitch en fait. Ah, mais c'est obligatoirement par là, mais. Attends. C'est un poil complexe ton truc là. Je vais crever pour rien en plus, hein. C'est ça le pire. Hein. Ah non, mais je vois que par là en fait, hein. C'est ça le truc.
Allez. Oui. Putain, il était temps. Je crois que c'était le dernier try. Après, après c'était la mort. Bon, il y a un truc au-dessus. Il doit y avoir un ascenseur derrière. Ah, mais chaud quoi, putain. La première chose que je vais faire avant la fin du niveau, ça va être mourir. Les anneaux sont entièrement alignés. Le portail dimensionnel vers la Terre est ouvert. Rendez-vous à la plateforme d'atterrissage et empruntez-le. La Terre... Beaucoup de temps. Tu m'étonnes ? Ok. Alors ça je veux bien mais tu vas comment? Il doit y avoir un accès à l'extérieur quelque part ici. Genre là. Ok. De là, bon j'ai coupé. Oh bien ça. Un peu de vie des munes, c'est cool. Et la suite c'est par là. Bon je crois qu'on a tout hein. Que je regarde. Oui c'est ça, on a tout. On est parti. Pas un combat de boss ici. Ah il me prend qu'une vie. Ah forcément. Voilà, double claque dans ta gueule, tu fais pas chier. Deus Ex. Allure. Un petit peu d'armure, ça fait pas de mal. Il doit y avoir un interrupteur levier. Là, je sais pas quoi. Et il me faut une combi anti-radiation pour aller là-dedans, à mon avis. Sinon, je vais pas faire long feu. Que la vie se trouve là en dessous. Et y a un truc un peu dégueu en fait. Qui... Je vais pas dire qu'il me regarde droit dans les yeux, mais presque le cas quoi. Levier pas là, j'ai pas de combi. Bon, bah faut y arriver au fond avant que mort s'en suive. Oh bah non, tu perds pas de vie. Oh c'est cool. Ouais. Le one up. Ah faut baisser le niveau, d'accord. Bon. Voilà. Tu le sens qu'il va se réveiller le bousin. Voilà. Alors par contre j'ai pas tout compris par rapport à... Non, mais il se réveille pas. Enfin, je suis un peu déçu. Voyage rapide débloqué. Ah!
De mémoire, j'avais oublié une munition de BFG quelque part. Une vie, là. Oui, une vie, c'est cool. Allons chercher la vie. C'est à côté, en plus, qu'il faisait. La vie, la vie, la vie. Derrière moi. Derrière moi. La la la. Bon, ça aux F. Allez-y. Allez. Ah, on a la vie, ça nous mène à la salle du boss. La planète est proche, elle ne peut pas vous laisser quitter cet endroit en vie. Tant que l'homme se trouve dans sa poitrine, elle est invulnérable. Retirez-le, et se défense tous les unes après les autres. La petite arène stylée. Nous avons survécu des millénaires. D'autres ont été sacrifiés au nom de notre prospérité. Ils ont ainsi trouver la rédemption. Qui es-tu? Vulgaire humain, ancien mortel, pour oser défier tradition. Ah ah! Canmaker. Tirez sur la Canmaker pour vous et recharger votre jauge de frappe 5 ans. Rocher bouché pendant qu'elle est vulnérable pour vous rapprocher, utiliser la force de pour lui accumuler des dégâts. Ok. Donc, faut switcher entre cette arme-là et cette arme-là. On a une mine de BFG qui traîne là, j'ai vu. Ok, ta mère! Un peu loin. Ah, ça va me faire chier. Putain. Voilà. Frappe sans genre déformée. Et son bouclier, par contre, se recharge au fil du temps. Suite batteuse qui fait spectacle, accessoirement. Ah ouais, c'est moins stylé là. Il y a des tentacules, c'est dégueu. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, y'a un truc qui brûle. Allez, dépêche-toi d'atterrir, voilà. On récupère santé Mulac. Oh merde, chier. C'est ça. Quoi, t'es là-dessus ? Quoi ? Ah, ok, non, d'accord. Alors, par contre, à mon avis. Avec les tirs à la tête qui passent par contre. Voilà. Alors c'est moi où elle a cramé la zone la pute là. Bien fait de récupérer des vies moi dis donc. C'est ça, putain le sol est cramé. Putain je prends des dégâts de en passif. Alors, faut pas que j'arrête de lui affliger des dégâts son boubou.
Ah, chier. Bon, je marque une pause. Oh là là. Allez, où? La frappe sanglante se remplit automatiquement. Nice. Oui, donc elle prend plus de dégâts au torse. Ah ouais, largement plus, ouais. Ouais, la prochaine elle est bonne. Ah, non, je suis passé. Mon bouclier va se recharger. C'est chier, voilà. Mais non. Vas-y, tombe, fais pas chier. Wouah. Ouais, bah ouais, forcément. Faut rester mobile encore. Ok, je pensais que ça activerait un truc, mais non, faut pas. Bon, la balise pour ce niveau, elle est pétée. Bon, ah, j'allais dire. Ok, mes couilles. Échec! Ouais. Alors, il verrouille ou pas? Oui, il verrouille pas. Allez dire. Allez, saute. Il est où le truc? Il est là. Ouais. Non, je joue pas avec l'armure sentinelle. Déjà désactivé l'option. Je joue legit. Comme un homme. Bon, par contre, j'aimerais bien m'en prendre moins plein la gueule. Ce qui contredit complètement ce que je viens de dire. J'ai fait tellement maps. Non. J'ai dit non. J'ai dit non, voilà, chargez le poids de passage. J'ai choisi le mode de la violence, c'est pas pour hein, pas faire chier. Oula. Elle est où la saloperie là? Aïe. Ah, ça brûle de partout. Ok, sans zoom, voilà. J'arrive mieux sans. Première phase est toujours facile, j'ai envie de dire. C'était quoi ça? Ça ressemble à un truc qu'il faut que je chope. C'est une charge de frappe sanglante, d'accord.
Oh, c'est échec. Oh, par contre, ouais, ça met un temps fou à se recharger après. Voilà. Il me reste deux tirs. Donne-moi des munes, toi. Ok, ouais, elle condamne un morceau de la reine à chaque fois que... Ok. Ça va être à moi de rester en hauteur. Là, il y a de la vie, on va récupérer ça. Voilà. Et ils sont où ces comptes là? Je crois que le tir est plus puissant s'il est situé au niveau du torse. Mais vraiment du torse quoi. Prends la 3. Ah oui, oui, ah oui, clairement. Ah, ça pique. C'est des vrais dégâts, hein. Merde, elle a condamné à bout du sol. Chier, voilà. Ça pique. C'est quoi ça? T'as un ennemi là-bas. Ah, faut que je la touche. Bon, son armure, voilà, elle se régène. Ah, ça pique. Putain, c'est pas vrai. Oh mais non, je te claque un mono PV de merde. Vas-y. Et voilà, bah, je m'en doutais. Nique-toi. Bon. En fait, on va profiter qu'on a un peu plus de marge de manœuvre ici pour faire ça au lance-roquette et garder les munes. Ça fait masse de dégâts en fait. Échec. Ok, la baliste pour leur mettre des têtes à eux, pour récupérer les munes de lance-roquettes pour lui claquer dans sa gueule à elle. Ça me permet de rester mobile en plus qu'il plus est. J'ai failli louper hein. Sur trois armes. Après, nul doute que le BLG lui fasse des dégâts. Enfin, quoique, techniquement, si on suit la logique du jeu, normalement non. Ça détruit les particules démoniaques. Allez, trois rafales de roquettes. Et... Allez, mais non! Ah, fait chier. Allez, on va pas passer 20 ans là-dessus non plus.
Je vais devoir faire des coupes encore, ça me saoule. Oh, tu verrouilles pas. Pas de la rater sa tête, voilà. C'est une technique, hein. La vache. Mais non. Sors-moi le bon flingue. Voilà. Oh, sérieux. Allez. Putain, c'est pas vrai. Du coup, je vais tester. Ok, ça lui nique à boubou. Ok, c'est plutôt nice. J'aurais dû le garder pour les zones, enfin pour les phases un peu plus, voilà. Mais au moins, je le sais. Allez! À des moments, ça veut pas, ça me saoule. Allez, encore deux fois. J'ai plus de roquettes. Allez. Encore un peu. Voilà. Putain, j'ai failli louper. Faut rester mobile encore. Où est-ce que je peux aller de là? Il reste que ce bout-là de la reine de dispo. Ok. C'est devant elle, donc ça craint un peu, mais ça va. Voilà. Eh bah putain! Toi, tu viens de détruire tout ce qu'il était de mon devoir de défendre. Et tu as fait tout ça pour les sauver eux. De vulgaires serviteurs de nos croyances. Pauvre fou, tu viens de briser le sceau. Le sceau sacré du Rodak. La transgression a mis en danger la création. Oh Dieu. Ah ah. Voilà, j'ai plus envie de. J'ai plus envie de dire que ta forme a plus. Est plus raccord avec ton front maintenant. Je sais pas. Maker vaincu, Zo frappe sans enveloppe améliorée, chargé 2 attaques. Oh! Valérie d'Amidou. Non! Oh mais non! Sacré de merde! Oh mais non! Oh putain, ça va me tuer!
Putain. Non mais non. Non, Bethesda, t'auras ma peau. Bon, bien, bien. Sur ce... Oh putain, mon élocution est partie en couille en même temps que... ma gorge, là. Sur ce, chers camarades rédempteurs, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss.